Essayer peut-être de dire bon, on commence par ça, après la deuxième étape, et après ce que j'ai fait actuellement, c'est sur 40 ans que j'ai fait cette expo. Donc ce qu'il y a avant ces 40 ans, je ne montre pas. Un petit détail là. Voilà, c'est des choses comme ça qui vont marquer cette époque avec un dernier de cette série avant de passer qui est ce. Avant de passer à la gravure. Je ne pense pas qu'il y ait une différence dans la tête quand on fait de l'abstrait ou quand on fait des figuratives. En ce qui me concerne, quand on fait l'effet de peindre, je crois qu'il faut avoir la tête le plus vide possible et penser à n'importe quoi sauf à ce que tu fais. C'est comme quand tu fais du vélo, si tu penses que tu fais du vélo, tu risques de te casser la figure, quoi. Je me rappelle, étant un gamin déjà, que je m'intéressais à la poésie, une poésie d'école, si tu veux, mais c'était de la poésie quand même. Hein? Bon. Et des choses comme ça, je n'ai pas eu l'impression d'avoir une rupture dans ce qu'on appelle l'art en général. La rupture, c'est que j'ai commencé à essayer de faire de la musique et j'aurais mieux voulu être danseur, mais je me suis rendu compte trop tard quand j'avais des rhumatismes et j'ai fini dans la peinture. Donc c'est tout ce changement-là. Mais pourquoi, c'est très mystérieux aussi, mais je pense que c'est indispensable pour le bon équilibre de n'importe quel individu et de n'importe quelle société. Parce que les individus et la société, il ne faut pas les séparer non plus. On est tous là-dedans. On ne crée pas, on reproduit, on copie, on ne peut pas faire des choses qu'on n'a pas déjà. Donc, c'est quoi la création? Qu'est-ce que tu fais? Oui, mange. Mec, bah, tu manges? Oui. Mais t'auras faim pour les encorners. Bon. Ça va? Super. C'est délicieux. Tant mieux. Moi, viens avec la tomate. Quand je suis arrivé un peu en France, que c'était plus la campagne que Madrid, je me posais la question si c'était plus beau une forêt ou les toits de Madrid avec les antennes de télévision qui commençaient à voir partout. Pour moi, un tableau,
c'est un récit sans mots, ou un poème sans mots, ou une idée. Peut-être que je me suis en train de raconter des histoires, des rabassés, des... C'est, pour moi, la réflexion vient après. Une fois que j'ai fait, j'ai réfléchi sur ça. Et comment tu fais ça, ça, la gravure s'est faite avec une plaque gravée et avec une presse où on passe les papiers, la plaque étant déjà qui la colore. La plaque. Je suis très sensible à ce qui se passe autour de moi. Il y a quelque chose de philosophie ou de morale que j'adhère complètement. Je pense que l'autre, il est aussi important que moi. Il n'est pas plus important que moi, mais il est aussi important que moi. Et moi, je suis aussi important que l'autre, mais ni moi ni plus. Et il y a aussi de l'anecdote dans un tableau. L'anecdote, quand tu dis à un peintre, tu es anecdotique, il te frappe, quoi, parce que c'est très péjoratif. Mais il y a aussi de l'anecdote. Mais il n'y a pas que de l'anecdote. Le temps, c'est un facteur que on. Je crois qu'aujourd'hui, on se trompe à penser que gagner du temps, c'est gagner de vie, c'est gagner de l'argent, peut-être, j'en sais rien. Mais ce n'est pas s'enrichir humainement, le temps, la rapidité. Le temps, en plus, certainement, il n'est pas linéaire, mais il est ce qu'il est, et vouloir réduire le temps, je crois qu'on se plante, là, on se plante. Ah non, le temps, c'est un facteur, pour moi, que ça a été toujours très, très important. Pour moi, toute l'époque des gravures, par exemple, c'est relatif à la mémoire et au temps. C'est abstrait, c'est pas quoi. Mais il y a une espèce d'essai de retrouver une mémoire plus archaïque que ma mémoire vécue. Je crois que je commence à, vraiment à être bien avec moi, à être beaucoup plus d'accord avec moi, donc à me connaître un petit peu mieux, donc à être beaucoup moins en guerre contre moi-même. Il faut faire la distinction entre la loi et la légalité. La loi, elle n'est pas toujours bonne. Donc pourquoi accepter la loi qu'elle n'est pas bonne, qu'elle a été usée ou que... Non, là, il faut être complètement incivil, le plus possible. Qu'est-ce que tu veux que ça sert de dire à un jeune tu sais, c'est merveilleux. Écoutez Bach, c'est vraiment une merveille, ça peut te transporter. Mais moi, j'étais jeune et je pensais à un moment donné que les gens qui écoutaient la musique classique, c'était des snobs qui faisaient semblant d'aimer. Je me rappelle parce que je l'ai dit à quelqu'un qui était dans mon quartier, qui était un petit peu plus âgé que moi, et qui était musicien. Il était un musicien, et je lui ai dit. Et évidemment, il m'a dit que c'était pas ça du tout, mais il m'a parlé, il m'a raconté des tas de choses que j'ai, à ce moment-là, pas écouté du tout. Mais c'est une image que j'ai de mon quartier, en train de dire à ces... Parce que, quand j'ai commencé à me frotter à cette musique que j'ai commencé, elle a commencé à me pénétrer, je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut être aussi abruti que j'étais
Tu vois, j'ai eu pas mal de honte décalée comme ça dans ma vie. Un peu de chômage au cinéma qui m'a beaucoup aidé dans cette vie. C'est le fameux seuil du cinéma quand il s'est fermé, fondu, etc. Donc là, je vais le monter en carré, je vais faire les quatre. Ça c'est... De temps en temps, il y a des pièces qui sortent, qui ne sont pas exactement pourquoi, qui sont un petit peu plus... comment, un peu plus mystiques que d'autres, peut-être. Je te l'achète. Écoute, ça tombe très bien parce que tu sais, les temps sont très durs. C'est difficile maintenant de vendre de la peinture. Ça c'est formidable. Ça c'est la queue devant l'expo. C'est la queue devant l'expo, bien sûr. Tout à fait. Ouais. Je Mais une chaise vide, il y a plus d'occupants qu'une chaise assise. Tous les occupants qui ont passé, ça peut te remémorer tous les occupants qui ont... Oui, c'est ça. Surtout des chaises en PUC. Voilà. On arrête là. Une chaise vide. Ouais. J'ai senti poussière.